Thank you.
c'est pourquoi si nous sommes ici, que chacun ait l'esprit de patience. Alléluia. C'est que les bonnes ont beaucoup de préoccupations. Que pourquoi ça dure. Alléluia. Peut-être que ça sera aussi ton tour. Alléluia. Il ne faut pas que tu rentres. Et si tu rentres, tu vas rater aussi ta grâce de mariage. Au moment où ils vont rentrer dans les grâces de mariage, et cette condition du mariage va aussi te localiser. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dans sa souveraineté a voulu que les bien-aimés remplissent les conditions. Alléluia. Remplissent les conditions pour recevoir les bénédictions. Alléluia. Afin de demeurer ensemble. On se marie, c'est pour demeurer ensemble. Afin de rester ensemble. Et il peut entrer dans les bras du mariage. Ensemble, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et les prenne. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne les prendre. Et pour cela, le Seigneur voulait qu'en ces jours, que ce couple soit certifié par les ciels. Le Seigneur voulait que ce mariage soit consacré pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Selon la sainte doctrine, et la famille de la sœur l'a accueilli, sa famille.
c'est très important. Et lorsqu'il s'est présenté à la famille, il a respecté les diacres, les fiançailles. Et le Seigneur le souverain, jusqu'à ce qu'il vienne maintenant honorer la famille à la porte. Alléluia. Il est venu au pied de la famille de la sœur pour les honorer. Pas la porte. Alléluia. Pas la porte. Lorsqu'il est parti, et la famille l'a accepté et a accepté la porte. Alléluia. Est-ce que la famille de la sœur est dans la salle? Je voudrais bien assurer. Est-ce que le frère est venu vous honorer? Donc la Bible dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Est-ce qu'il est venu s'est présenté? Est-ce qu'il est venu? Ça dit, prenez la porte. La famille de la sœur. Il est venu. Il n'y a pas la famille de la sœur dans la salle. Est-ce que le Seigneur est venu? Ça nous honore la famille, ça nous parle la porte. Est-ce que le bien-aimé? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur vous a soutenu, vous a aidé pour élever la sœur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle devienne grande. C'est votre et votre responsabilité. Maintenant, pour que le frère vienne dans la mariée, il faut qu'il vous honore. Donc, qu'est-ce que le frère va faire? Alléluia. Et la
exploré sa famille et c'est ce qui se passe. Alléluia. Il y a d'autres même qui plient les bagages et elles s'en vont trouver des garçons. Alléluia. Les parents ne sont même pas au courant. Elles s'en vont et elles trouvent son mari. Les parents sont déçus. Alléluia. Et c'est des choses qui se passent. Les élèves n'ont pas compris ça. Et les élèves pompent ces choses. Il y a d'autres même, c'est pas la vie du concubinage. Alléluia. Pas la vie du concubinage. Si tu vis dans une vie du concubinage, ça dit devant Dieu, tu es une prostituée. Alléluia. Si Dieu reconnaît ton mariage, comment soit légal, légitime, il faut que ton mari, celui qui vous vient de ça, même si vous avez des enfants, tu vis. Pas toi, va régler tout le pas toi, va honorer mon père, va honorer mes parents. Alléluia. Si vous ne faites pas maintenant, devant le poder du ciel, on va te dire que même ton mariage que tu as construit sur la terre, c'était un mariage à crédit. C'était un mariage à crédit. Alléluia. Parce que le mariage, c'est une institution que tu as établie. Alléluia. La dote, Dieu a donné la dot. Alléluia. Le père de la dot à part a donné la dot par la foi. Et il y a beaucoup aussi qui comparent la dot. Que la dot, c'est la loi. Et je vais te dire, la dot, c'est par la foi qu'on le donne. Et c'est un sujet d'actualité. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es dans l'erreur. Si tu compares la dot, ça dit que tu es dans l'erreur. Et devant le problème du ciel, on ne va pas te tuer. Alléluia. Ceux qui sont contre la dot, c'est très important. Si tu vis dans un foyer où ton mari n'a pas réglé la dot, il faut le faire avant que tout le monde vienne. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. C'est très important. La dot, c'est très important. Si tu vis et que ton mari n'a pas donné la dot, c'est que tu vis pour sauver le mariage, mais ça accrédite Dieu. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse devant Dieu. Alléluia, on ne trompe pas le Seigneur Jésus. C'est très, très, très important. Donc le mariage est l'un des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Et la vie sur la terre, alléluia, c'est toute première institution que Dieu a établie sur la terre. Et c'est très capital d'avancer nos vies. Alléluia, c'est pour cela, c'est un sujet très délicat. Quand on répète, quand on suit un dossier de mariage, c'est qu'on le suit avec beaucoup des attentions, et on le suit avec beaucoup de délicatesse. Alléluia. Parce que c'est une question de vie et de mort. Si c'est un mariage fauché, si c'est un mariage fiché, si c'est un mariage raté, la paix est à côté de toi. Tu peux vivre la paix et en vivant sur la paix en attendant le vrai enfer. Alléluia. Le mariage n'est pas abusivement dans ça. C'est pourquoi, avant de s'engager dans cette aventure du mariage, il faut d'abord s'asseoir, il faut demander conseil, il faut beaucoup réfléchir. Alléluia. Pour te permettre que tu peux épouser une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ta femme. Alléluia. Ou tu peux même épouser une vipère qui va s'être cassée et qui va te mordre. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et
Alléluia. Pour Dieu, quand tu es ton argent pour le mariage, le mariage, c'est pas cadeau. Alléluia. C'est pas cadeau. Tu es debout. Quand la mère a souffert, c'est-à-dire pendant la grossesse de la vie, je sais que accouche et de vie, tu es debout et tu veux pas, c'est le fait à cadeau. Alléluia. Ça, dans le mariage, dans le sens de responsabilité, il n'y a pas aucune responsabilité. Et si tu enlèves
Vous la bien aimée Anne. Jésus s'est sacrifié, alléluia, pour son église. Parce que Jésus prend l'image de l'église, l'image de mariage, il a quand même fait l'église pour dire que je n'ai pas fait l'église, livré, il s'est donné pour son église. Comme tu l'aimes, alléluia, comme tu l'aimes, est-ce que tu es donc prêt pour te sacrifier pour la bien-aimée? Ah! Jésus non seulement pour aller sacrifier, même à la défense. Alléluia. En fait, sacrifier, ce n'est pas dans le sang pour bébé, ou c'est la mort, ou c'est pas le père. Alléluia. C'est sacrifier, c'est pour aussi ton corps. Alléluia. Si c'est souffre, c'est ta chair qui souffre. Tu dois accepter tout que tu avec elle. Parce que quoi? Vous êtes un. Parce que l'amour règne. Alléluia. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais de séparer. Ça va vous aimer de la main sur la femme. Alléluia. Parce que les hommes aussi violents, ils sont prêts à mettre de la main sur la femme. C'est une malédiction. Je vous assure, c'est une malédiction. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit la femme est incestueuse. Faible. Alléluia. C'est toi son défenseur. C'est toi qui vois la défendre lorsqu'elle est en chaîne. Et lorsque tu deviens comme un lion rugissant. Alléluia. Pour la défendre. Si toi tu ne la défends pas, à qui elle va aller? Alléluia. C'est pourquoi tu dois la défendre. Tu dois la défendre. Tu ne dois pas la chiffrer. Tu ne dois pas la battre. Alléluia. J'ai dit, malheur à ceux qui mettent la main sur les corps, c'est une malédiction. C'est une malédiction, je vous assure. Alléluia. Donc, tu es son défenseur. Et non, tu es un bourreau. Un bourreau, père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu ne dois pas également l'injurer, les injurer. Alléluia. C'est aussi très mauvais. Si tu les jures, c'est comme tu es en train d'insulter Jésus-Christ. Alléluia. Si tu les jures, c'est comme tu es en train de te porter des injures sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Pas de jure. Pas de jure. Tu ne peux pas la calomnier. Tu ne peux pas parler derrière son dos. Alléluia. Parce que aussi pour les autres qui le font, qui parlent, c'est lui derrière. Tu vois l'enseigner, ça dit comment la femme doit se comporter.
Alléluia. Vous voyez la papille, partie de la tête, vous voyez la papille, c'est-à-dire
partie de l'élément. Pourquoi il y a seulement chose d'accord? Alléluia. Parce que cet accord-là, ça représente également, parce que vous voulez dire, là, sous les os, c'est pour que la femme soit ici. Elle n'est pas au-dessus de l'homme. Alléluia. Elle n'est pas au-dessus de l'homme. C'est qu'elle est au-dessus de l'homme à la soumission. Alléluia. Et le Seigneur également te donne beaucoup, beaucoup de responsables. Alléluia. C'est toi qui es à la maison. Alléluia. L'hospitalité, c'est pour toi. Le ménage, c'est pour toi. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit être aucun de la pression de disponibilité, l'homme doit également assister. Alléluia. C'est très important qu'on soit clair. Alléluia. Pour qu'on soit clair, c'est pas parce que l'homme, il y a des jeunes là, il parle pour moi, il dit non. Yeah.
souviens de moi, tu vois être soumis à l'union de respect, la paix. C'est très important. Il y a un peu de éléments, c'est le dialogue dans notre famille. Alléluia. Et dialogue dans le foyer. Et dans le foyer, il faut également la confidentialité. Il faut également la bonne gestion. Alléluia. Parce que c'est les élèves de la colère. Et puis, c'est pourquoi tu vas vous dire que c'est le papa. Non, non, non. Il faut même tout à fait le même. Alléluia. Même si ce n'est pas toi que les élèves passent ta belle, c'est pour l'homme. Alléluia. C'est pour l'homme. C'est pour le mari, Dieu, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Alléluia. C'est ça la solution. Alléluia. C'est ça la solution. C'est pour le mari. La science ne prend pas aussi comme ça. Il pense que c'est pour eux. Et il pense que tout ce qui a la maison dans le foyer, il faut que ça part à sa famille. C'est pas bon. Alléluia. Il faut savoir équilibrer. Alléluia. Si tu as la famille, tu peux la mettre. Alléluia, il faut équiper, équiper. Il faut équiper. Si les élèves voient le peur, peut-être qu'elle est ta maman. Alléluia, il faut que ton mari soit au courant. C'est pourquoi les chameurs, la communication dans le foyer est très importante. Les chameurs, vous n'êtes pas les ennemis. Alléluia, c'est pourquoi c'est l'amour. L'amour doit couper dans le foyer. Alléluia. Il faut les dialogues, il faut la communication. Alléluia, il faut savoir que c'est la bonne gestion. Alléluia, et c'est les éléments de gaspillage. Les femmes qui gaspillent, qui les connaissent pas, c'est le contentement, les gaspillages dans le foyer. On ne peut pas au bout, on jette, mais ce n'est même pas le gaspillage. Alléluia, il faut être généreux. On ne peut pas au bout, et après on jette. Alléluia. Il faut également éviter la convoitise. Parce que tu vas voir que ton voisin ou ta voisine, son mari l'a acheté, parce que c'est la vie. Tu l'as oublié de mon mari, il m'achète. Alléluia. Très à Dieu. Il faut pas que le mari soit allé prêter. Non. Si tu as acheté, ça veut dire que c'est lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut bénir le Seigneur Jésus. Alléluia, il faut l'apprécier et toi également il faut l'apprécier. Dis-moi l'exemple, quand tu poses à quelqu'un de son niveau, l'encourager. Alléluia, l'encouragement. Michel, c'est très important. L'autre élément qui est très important dans le foyer, c'est la gestion de l'indiscipline. Alléluia, quand vous voyez pas beaucoup de foyers qui sont sous crise, sous tension, c'est parce que la gestion de l'intimité est mal gérée. Car si c'est mal géré, ça crée des problèmes. Alléluia. Quand tu l'as protégé, dans un projet, j'ai envie de faire. Alléluia. Sous le plan spirituel, ton corps est l'étable de Dieu. Ton corps est l'étable de Dieu. Et le Seigneur dit, selon ta chair, ton corps appartient à elle. Et ton corps appartient à lui. Alléluia, vice-versa. Pas de privation. Pas de privation. Pas de jeûne spirituel. Aujourd'hui, je jeûne. Demain, je jeûne. Non, non, ne me touche pas. Non. Ne pousse pas l'homme à l'intérieur dehors. À cause de ton comportement. Alléluia. Quand il te voit, peut te compenser, c'est ton corps. Son corps, c'est aussi pour toi. Qu'est-ce que les jeûneurs? C'est le commun accord. Alléluia. Si vous voulez faire un service spirituel, tu dois communiquer avec elle. Elle doit communiquer avec toi. Alléluia. Si vous êtes entendu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Sauf ce que le Seigneur est écrit. Alléluia. Même les amis ne peuvent pas le faire. Lorsque la parole est dans sa parole d'intimité. Alléluia. Même les amis. Lorsqu'elle est dans sa terre,
gestion et la sexualité dans notre famille. Je vous assure, si c'est mal géré, l'ennemi va commander à gérer votre foyer. Et les esprits, les autres esprits, les autres vont commencer à vous fouetter, à combattre votre foyer. Alléluia, c'est très important. Parce que si la sainte occupe ne parlait pas, si vous n'avez pas parlé de ça, alléluia, ça c'est ton mari. Alléluia, quand tu le vois, tu peux te comprendre. Quand tu la vois, tu vas être content. C'est très important. Et les ennemis, les choses que les ennemis ne veulent pas que ce soit pratiqué sur le lit mon chat, c'est que tu, la parole de Dieu, que le mariage soit au moment de tous ces exemples. Oui. Alléluia. La génération dans le foyer, la solution dans le foyer, c'est la mère. La communication, la fédération, la sodomie. Les animaux ne peuvent pas le faire. Si ça se passe, c'est lui mon chat. La communauté, vous voulez, vous avez tout ça en faire. Alléluia. Parce que lui mon chat doit être saint. Tout ce que vous faites, ça doit être un lui mon chat. Alléluia. Et moi, on s'en va. Et moi, on prend les enfants. Alléluia. Parce que quand elle dit, la caméra disait, elle est sur votre lit. Tout ce que vous faites, les tiens le voir. Alléluia. Okay.
à respecter tout ce qui vient de se passer. Puis je suis prête. Alléluia!
veux, ainsi mon attachement, l'attachement de mon cœur avec toi demeure inébranlable au nom de Jésus. Dans les temps de tempête, de manque, d'abondance, sois-en sûr, mon amour ne chavira point. Et ce que je vais te dire à toi cet après-midi, c'est que je t'ai longtemps cherché. Mais aujourd'hui que je t'ai trouvé, rassure-toi, tu auras toute la dose d'amour qu'il faut pour que tu aies poussé. J'ai tellement de mots pour te dire, mais j'ai bien peur que les développants et les dégrénants tous ici, ton cœur peut doubler les palpitations. Ceci étant, je vais dire, princesse Anne, tu es la véritable, tu es l'unique, et tu es celle-là avec qui je parcourrai le monde entier pour la mission du Seigneur. Le deuxième plus grand commandement, après celui qui dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ta force, il dit aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais surpasser tous les cinq dimensions de l'amour afin que tu comprennes qu'il y a un amour divin. Amen. Ceci, je vais dire à Honoré, je t'aime. C'est un mot spécial que je te dédie. Je te promets de t'être soumise, de t'écouter, et je te promets d'être douce. Je te promets de toujours t'accompagner dans le service de Dieu et vraiment d'être un soutien ferme pour l'œuvre, afin que tu donnes le meilleur de toi-même pour la gloire de Jésus. Je te promets de rester fidèle,
quelles que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, de te rester fidèle. Parce que en toi, je vois et je cherche Christ. Et ce n'est pas une vision de la chair, mais c'est une vision de l'esprit. Et parce que tu es un homme d'esprit, je te parle comme une compagne d'esprit. Et je sais que ensemble, nous allons arriver à bon port. Amen. Parce que la Bible déclare, l'homme ne se pardonne pas. Alléluia.
Tu es ici maintenant. Tu es ici maintenant. Alléluia dans la parole. Alléluia dans la parole. Alléluia dans la parole. Alléluia dans la parole. Tu es ici maintenant. 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 La puissance de Dieu est là. Laissez-le. Le foyer, prends-le, c'est ta parole, parce que ta parole ne passera jamais. Tout passera, c'est ta parole. Commence-moi lorsque le Seigneur.
Seigneur Jésus, aujourd'hui, au moment par les années spirituelles, par cette
sang et par toi, Père, de l'âme du sang. Nous te bénissons beaucoup. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que nous ne puissions plus le retour de toute personne qui, quand on a mis le voyage, qui ont sorti de la maison pour venir, qui ont quitté les quartiers pour venir, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Ils ne sont pas venus ici, Seigneur, parce qu'ils veulent de sanctifier. Ils ne sont pas venus ici, Seigneur, car ils ne sont pas. Mais ils sont venus, Seigneur, au nom de Seigneur, à ce que tu as dit, que le mariage soit au nom de tous. Ils sont venus, Seigneur, à assister, Seigneur, comme serviteur, Seigneur, pour l'intérêt de la semaine de Jonathan. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, c'est que nous lions sa terre, ça sera le ciel. C'est pourquoi je vous rends maintenant, que Seigneur, la même manière que tu les as préservés, Seigneur, en venant ici, préservez les yeux de manière pour entrer au nom de Jésus. Selon le livre de Somme, chapitre 11, tu as dit, ordonnera à ses anges de te garder à toutes les voies, une opinion seulement, de perdre ton cœur dans ton cœur. C'est pourquoi cette parole, je déclare cette œuvre de Dieu. Tout projet d'instant, tout projet, Seigneur, quel ennemi a tissé ce chemin, soit anéanti au nom de Jésus. La paix est gardée, elle est anéanti le projet de l'homme, dans le jour. Il est plus tard, projet de moi, cela nul, mais sans se faire, tout instant, toute progression, tout piège, qu'elle est plantée dans la roue. En cette soirée, que ce piège, les rues tombent et gardent au nom de Jésus. Parce que je vois le livre de Somme 35, la paix est gardée. Spirituellement, physiquement, notre part, sans revenir à le nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur de Dieu, au cadre de tout ce que nous avons fait ici, le message qui est sorti, c'est dans le jeu de conversion, c'est dans le jeu de mandat. Pardon, Seigneur, pour ceux qui sont partis avant tout le jour. Oui, Seigneur de Dieu, pardonne, Seigneur, parce que c'est ce que tu as dit, et qu'est-ce que tu as dit, les autres ici, Seigneur, c'est comme une forme de péché. Et je te prie également, Seigneur, de veiller sur chacune de ces lettres de Dieu. Et bien là, je te prie, je te rejoins en même temps, je ne veux pas. Seigneur, je te rends pas au Jésus. Seigneur, bénis avec le même temps pour ma vie, s'il te plaît. Sanctifie ces lettres de Dieu. Bénis, Seigneur, le travail. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur. Tu l'as pris, Seigneur, je suis avec la paix sanctifiée, pas la parole de la pierre. C'est-à-dire, tu l'as pris, Seigneur, avant de mettre quelque chose dans la bouche. De mon pied, avant de prendre les mains de mon pied, de prendre l'hymne à tout le monde, pas tous les biens, pas les supplications et les actions de masse. C'est pourquoi c'est le nom romain, ces eaux, cette nourriture, et tout ce que nous avons à avaler, qu'est-ce que c'est ça, Seigneur, le sang de l'éternel. Nous transmettons ça par le sang au nom de Jésus. Tout projet de maladie derrière, tout projet d'enfouement, tout projet d'enchantement, soit anéanti au nom de Jésus. Il est écrit dans le chapitre le premier nom de Jacob, la dimension du premier nom d'Israël. Tout enfouement, tout malédiction, tout parole incantatoire, prononcée sous cette conduite, soit annulé au nom de Jésus. À l'instant où sur le palais au nom de Jésus. Et que c'est la toute personne, Seigneur, qui va prendre ce repas, le prendre avec choix, c'est l'être de Dieu. Seigneur, je te prie de visiter, Seigneur, ceux qui sont séparés au nom de Jésus. Visite les Seigneurs Jésus, que l'onction de ce mal vienne, Seigneur, visiter le nom de Jésus. Tous ceux qui décident d'appeler des plats, donc ils sont père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, parce qu'il y a la plus grande des mains, la première des mains du ministère. Et c'est qu'après la cause de Dieu, ce n'est pas que je prie, Seigneur, tous ceux qui décident, Seigneur, que Seigneur, exaucé au nom de Jésus. Et c'est ce que je prie, travaille dans la multitude, dans la maison, dans l'intimité, Seigneur. Car avec l'État, c'est moi qui me connais dans mes enfants. Je te bénis, je t'en passe. Et je sais tout ce mandat au sang précieux. Et que les saints ont juste un temps pour nous. Bénissons-nous, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.